Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter une création que j'ai faite. Donc là vous aurez d'abord la vidéo présentation de la création et je vous ferai une fille, voilà. Je vous ferai une deuxième vidéo, là je vais faire le montage aujourd'hui et demain parce que là elle est très longue à monter. De la création pendant le déroulement. Voilà comment j'ai créé cette boîte, car c'est une boîte. Là, c'est une boîte en bois, hein, donc que j'avais déjà. Donc, c'est une petite valisette que j'ai juste décorée en style un peu, c'est pas un peu, c'est en style shabby. Voilà, donc je vous la montre. Voilà, donc ça c'est le dessus. Alors si vous entendez du bruit, on a des nouveaux oiseaux à la maison, on a des mandarins, on a des perruches, donc, et Fifi va descendre parce qu'elle va me faire tomber la caméra, donc on entend beaucoup de bruit autour de moi. Fifi, non, descends s'il te plaît. Elle veut pas que je vous montre la boîte. Fifi, descends. Allez. Donc voilà, vous voyez, c'est une petite valisette. Donc voilà la décoration sur le dessus avec une dentelle sur le côté, des fleurs en mousse. Oh, Fifi, non, s'il te plaît. Une autre dentelle sous les roses. Oh, c'est pas vrai. Je vais pas pouvoir faire la vidéo avec elle. Viendra te montrer après. Donc je vous disais, j'ai donc mis une dentelle en dessous. C'est impossible. Allez, voilà, mets-toi derrière la caméra, c'est très bien. Donc une dentelle, voilà, plus les oiseaux qui crient, ça va être super. Les oiseaux en mousse, une dentelle noire que j'ai mis en bordure des roses. Des oiseaux, je viens de dire oiseaux en mousse, non? Je deviens folle. Je sais plus ce que je dis. Bon, enfin. Là, j'ai fait une bobine altérée. Voilà. Donc, vous verrez comment je l'ai faite. Donc, il y a un ruban qui passe en travers. Il y a une dentelle dessus. Il y a un ruban d'abord que j'ai mis autour. Au-dessus, j'ai mis une dentelle. Les dentelles, vous savez, autocollantes d'action. Un petit ruban. Des petits pistils. Voilà. Une baie que j'ai collée. Voilà, c'est comme une perle. Hein. Et là, c'est tout. Et puis après, j'ai mis une petite feuille dorée et je l'ai entourée de roses. Rappelez, c'est les petites roses que j'avais utilisées à mon mariage, avec le petit voile, la petite dentelle autour. Donc ici, j'ai mis un petit papillon en plume, donc c'est des plumes, voilà. Là, une dentelle action, j'ai remis un petit ruban. Là, j'ai fait un petit bouquet de roses, donc avec trois roses en mousse, les petites baies roses. Les petites feuilles, encore un peu de colle, filament de colle, mais les petites feuilles dorées, voilà. En bas, donc on a le fil de la bobine altérée qui continue un petit peu sur la boîte. En bas, on a les petites baies, encore roses, toujours une rose en mousse, les petites roses ici. En mousse et en dentelle, un deuxième petit papillon, voilà. Là j'ai remis un petit nœud, voilà, c'est les petits nœuds action, hein. Vous savez qu'ils sont vendus avec un ruban. Donc sur le dessus c'est tout. La peinture, je l'ai faite en effet craquelé, mais j'ai pas fait un gros craquelé, hein, dessus, puisque je vais mettre un décor, donc. Mais vous verrez sur la deuxième vidéo que je ferai, que vous aurez dans la semaine, comment j'ai fait mon effet craquelé.
Voilà, donc ça c'était pour le dessus. Sur le côté, j'ai mis des dentelles, donc les dentelles d'action toujours. Ça c'est le ruban ici qui va avec donc les petits rubans, les petits nœuds, voyez. J'espère que vous m'entendez, hein. Mais je ne pouvais pas faire la vidéo dans mon atelier parce que c'est le boxon complet dans mon atelier. Là, j'ai mis les petits strass, je ne sais plus comment on les appelle, mais toujours d'action. J'ai fait un petit rappel avec les petites roses en mousse et en dentelle. Donc, je vous disais, j'ai mis le ruban et j'ai remis une petite dentelle autocollante. Donc là, ça fait tout le tour, vous voyez. Et sur les côtés, j'ai remis les petits strass roses avec une petite rose, voilà. Derrière, je n'ai rien rajouté, il y a juste les dentelles et le ruban qui passent. Voilà, donc sur l'autre côté, pareil, hein, la petite rose et les deux petits strass roses. La petite poignée, je l'ai peinte en couleur cuivre, voilà. Bon, il y a des tout petits défauts, mais bon, mettre le nez dessus je pense, mais bon voilà, ça donne son charme. Donc je remonte le dessus avant de vous montrer l'intérieur. Voilà, moi j'aime bien. Alors l'intérieur, bon là il est tout simple, hein, parce que puisque l'extérieur, l'intérieur ça va. Silence les oiseaux. Ah ça y est, ils ont trouvé leur gamelle de graines. On les a depuis hier, hier et avant-hier. Et donc l'intérieur, voilà, Fifi qui revient. J'ai collé un tissu directement sur le bois. Vous voyez, un tissu marron fleuri sur le couvercle et dans le fond. Et j'ai pas voulu mettre de tissu sur les côtés parce que je me dis, je passais assez, beaucoup de temps déjà à faire l'extérieur. Donc j'ai mis, là vous voyez, une dentelle très très large qu'on a action aussi autocollante. Oh Fifi, arrête! T'es gentille mais des fois t'es collante. c'est les dentelles très très larges. Là je peux plus vous remontrer puisque ben, j'ai mis la dentelle complète. Oh là 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 là, c'est pas vrai aujourd'hui. Vas-y, elle s'accroche à la nappe. Allez, Fifi, Fifi l'aime. Non, c'est pas vrai, mais bon. Et en haut, donc, j'ai mis le tissu, mais avec une dentelle moins large, puisque là, bien sûr, le couvercle est beaucoup moins large. Voilà. Donc, vous voyez, à l'intérieur, j'ai pas fait de fioriture, puisque l'intérieur va servir à ranger des choses. Alors, j'ai juste un petit défaut, c'est là, et j'ai pas su enlever la peinture. Mais bon. Je vais essayer de voir quand mon mari va rentrer ce soir, demander s'il a pas. Je crois qu'il en avait, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Vous avez du papier pour poncer. Je crois qu'il avait ça dans ses outils. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Bon, c'est rien. Quand il rentrera tout à l'heure du travail, je lui demanderai. Alors, il y a encore des petits filets de colle. Donc voilà, c'était ma petite créa. Donc j'ai quand même passé un peu de temps dessus. Quelques petites heures passées sur plusieurs jours. Au début, je ne savais pas quoi faire avec cette boîte. Donc, et voilà. Je la trouve vraiment jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Hein, ben là, pour une fois, ce n'est pas du scrap. Hein. On va dire que c'est de la décoration, du mixed media peut-être. Non, c'est même pas du mixed media, mais bon, c'est un petit mélange des deux. Voilà. Mais le style, ça va être style chami. Donc voilà. Je profite de la vidéo pour vous remercier toutes. Je vais vérifier sur mon téléphone. C'est hier, je crois que j'ai mis un message. Qu'on arrivait à 2000 abonnés. Eh ben écoutez, aujourd'hui on est à 1999 abonnés. Voilà. Donc je suis super contente.
Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, ce qui va vouloir dire qu'il y a un concours qui va arriver. Il n'est pas encore préparé, hein. Je n'ai pas eu le temps. J'avais envoyé quand même des messages à des boutiques qui, gentiment, ne m'ont pas répondu. Eh bien, tant pis pour elles. Je ferai le concours avec mes propres deniers. Voilà, c'est rien, il n'y a pas de problème. Là, du coup, on arrive au 2000. Il en manque une et on est aux 2000 abonnés. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de regarder sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais bon, vous voyez si on regarde dans la vidéo, hein, de toute façon. Je vous remercie énormément. Ce qui veut dire que vous allez avoir un concours. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais le faire dans... cette semaine, ça va peut-être un peu hard parce qu'il y a beaucoup de ponts. Il y a encore le 8 mai, il y a encore une fête après, l'Ascension, l'Assomption, je confonds toujours les deux. Ce sera peut-être plus pour la semaine prochaine. Hein, comme ça, ça me donne le temps de réfléchir à ce que je vais faire et aux cadeaux que vous aurez. Voilà. Voilà. Mais je voulais vous remercier tous. Ça me fait énormément plaisir. Ça prouve que ce que je montre sur mes vidéos, ça vous plaît. Voilà. Vous aurez très bien, très vite, donc la semaine prochaine, une vidéo concours pour vous donner toutes les modalités et vous parler un peu de ce qu'il y aura en cadeau. Voilà. Je profite également de ma vidéo pour parler d'une chaîne elle a fait une vidéo cette semaine qui m'a fait un petit peu mal au cœur. C'est vrai que moi là j'ai 2000 abonnés, on est plusieurs hein, à avoir beaucoup d'abonnés sur notre chaîne, et elle a fait une vidéo, donc c'est la chaîne de Scrap de petites Lady. Voilà, donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, elle a fait une vidéo cette semaine, hier ou avant-hier, en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas d'abonnés sur sa chaîne. Elle a sa chaîne depuis plus d'un an, je crois. Et sa chaîne ne grimpe pas. Et pourtant, elle montre de jolies choses. Elle montre aussi des hauls. Hein. Elle montre un peu comme nous, hein, comme toutes. Elle fait de jolies choses. Là, elle a même fait une vidéo hier, je crois, où elle montrait de magnifiques tableaux qu'elle fait à la bombe. Malgré que je fais peut-être de jolies choses que je ne serais incapable de faire, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Désolée, on a une petite coupure, ma carte était pleine. Donc je vous disais, je vous invite donc à aller voir sa chaîne, elle le mérite. La chaîne, la vidéo qu'elle a mise avec ses tableaux, pour voir ses tableaux, le titre c'est Présentation de mes tableaux à la bombe. Allez voir cette vidéo et en plus de ses autres vidéos, bien sûr. Vous verrez, ces tableaux sont vraiment magnifiques. Même dans la vidéo, elle dit qu'elle va en faire d'autres. Et elle va les faire cet été, donc j'ai hâte de les voir parce qu'ils sont vraiment vraiment magnifiques.
Moi, je vous dis, là, moi, j'en suis incapable de le faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous abonner à sa chaîne. Ça lui fera plaisir et moi également. Voilà. Parce que j'aime beaucoup sa chaîne. Et donc, voilà. Cette coupure m'a un peu perturbée dans mes paroles. J'avais des choses à dire et je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, pour ce que je voulais vous dire d'autre, donc, bon, il y aura la vidéo la semaine prochaine, donc, pour le concours. Et il y aura la vidéo pour la boîte. Donc, je vais vous faire. Donc c'est un peu le tuto on va dire enfin le tuto c'est comment j'ai fait la boîte voilà tout au long donc comme là j'ai filmé bon c'est très très long donc il faut que je monte la vidéo pour pas que vous en ayez pour 3 heures hein. Voilà. Parce que sinon là vous allez arriver chez moi, vous allez m'étrangler si je vous fais une vidéo de 3 heures. Et puis là, bon, il n'y a pas d'explication. Donc je vais vous faire une vidéo. Il n'y aura pas beaucoup de paroles. Hein. Je vais juste vous expliquer peut-être pour la peinture. Je ne vais pas vous expliquer. Oh, ben là, je colle une rose, là je colle une dentelle. Voilà. Je vais vous expliquer surtout pour la peinture. La bobine altérée, voilà, et peut-être un petit peu pour l'intérieur, puisque là je ferai une voix sur la vidéo pour vous expliquer. Et voilà, bon, et puis si vous avez des questions au moment de cette vidéo, vous n'hésiterez pas en commentaire à me les poser, il n'y aura qu'un souci, vous savez que je répondrai. Bon, malgré qu'en ce moment, je sais, je suis super, super, super en retard pour répondre à tous vos commentaires. C'est pareil, je vais essayer de me mettre à jour sur tous vos commentaires. Je m'excuse, à genoux. je suis désolée parce que j'ai même vu, il y a des commentaires où on me demande de redonner des explications sur certaines vidéos. Je donnerai peut-être priorité à ces commentaires. Celles qui me disent bonjour, ça va, bisous à Fifi, tout ça, bon, désolée, bon là je vous répondrai peut-être pas, je cliquerai sur j'aime, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Bon, les perruches, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vais surtout me mettre à jour sur les personnes qui me demandent des explications sur certains tutos. Voilà. Donc voilà, c'était donc je voulais vous présenter donc cette petite crème. Bon, deuxième coupure. J'étais en train de vous dire au revoir, là j'avais plus de batterie. Il va quand même falloir que j'investisse dans une nouvelle caméra parce que celle-là, elle commence à me sortir par les yeux. Il va falloir que un jour j'aille voir chez Apicache les caméras d'occasion là. Parce que bon les neufs, c'est pas la peine, hein, ça coûte une blinde. Voilà. Donc je vais enfin pouvoir vous dire au revoir quand même, non mais, et j'espère que vous avez un super soleil comme nous dans le nord. J'ai vu que dans le midi c'était pas trop ça, mais bon. Voilà Fifi qui vient de dire au revoir aussi, hein, bien sûr. La Fifi qui vient de dire au revoir. Ouais, maintenant tu peux venir. Maman a enlevé la boîte, donc c'est bon, tu feras plus de bêtises. Enfin, t'en fais pas, mais. En tout cas, Fifi est sage avec les oiseaux. Ce matin, on a eu un peu peur parce que j'ai dû attraper Fifi d'un coup. J'étais en train de nettoyer la cage de mes mandarins. Et j'ai la femelle qui a pris la poudre d'escampette. Donc, j'ai attrapé Fifi. Alors, vite fait, j'ai mis dans la cuisine. Et mon mari et moi, on a bien mis 3 quarts d'heure, bien tapé, hein, un bon 3 quarts d'heure, pour attraper la femelle de mandarin dans le salon. Oh, c'était sportif, hein, je vous jure.
On a réussi à l'attraper en la vaporisant d'eau. Et à force d'avoir de l'eau sur elle, bah, elle était trop lourde, elle n'arrivait plus à voler. Au bout d'un moment, elle s'est posée sur le fauteuil, alors pouvait plus. Il y a Géry qui l'a regardée dans les yeux. Heureusement, il ne l'a pas touchée. Mais j'ai pu la reprendre et la mettre dans sa cage. Et là, ça va. Elle est en forme, heureusement, parce que j'avais peur aussi que ça la fatigue et que ça la rende malade, mais non. Mais non, mais non. Voilà. Donc ce matin, c'était la chasse au mandarin dans le salon. Et avec toutes mes plantes et tout, ma pièce est petite, mais j'ai tellement de choses, donc elle pouvait se poser partout. Donc là, j'ai dit, si on va essayer de trouver on ne sait jamais si ça arrive encore une fois, on va essayer d'acheter un petit filet à papillons, vous savez, comme les enfants, ils peuvent avoir pour jouer. Je vais essayer d'acheter un petit filet à papillons. Comme ça, je l'aurai de côté. Et si ça m'arrive encore une fois avec n'importe lequel des oiseaux, au moins, bon, avec un filet, ça ira mieux. Voilà. Mais Fifi, laisse tout le monde tranquille. Hein. Elle trouve que les perruches font du bruit. Elle les regarde bizarre. Elles font du bruit, les perruches? Hein? Oui. Oui. Allez, ça y est, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve rapidement donc pour la vidéo tuto, enfin, oui, tuto, pour la boîte. La vidéo la semaine prochaine pour le concours. Et puis d'autres vidéos. Voilà. Si vous êtes sage, si vous n'êtes pas sage, je verrai. Non, je vous ferai encore des vidéos. Pas de soucis. Et comme d'habitude, si vous voulez voir une vidéo, dites-le-moi en barre d'infos. Si je peux vous la faire, je vous la fais. Pas de problème. Allez, gros bisous. Fifi, vous fait les grosses fléchouilles et à tous. Ah oui, fais des chouilles aux copines. Fais un bisou à maman. Fais un bisou. Oh, on ne veut pas faire le bisou. Bon. Allez, bye bye. On se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt.